Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo sur Astroneer. Donc, on va continuer un petit peu d'aller chercher quelques recherches, hein, quelques outils de recherche par là. J'ai pas pris la voiture, hein, parce que de toute façon j'avais autre chose à faire. Je voulais me dépêcher un petit peu et finalement bah, j'ai oublié, je l'admets, c'est ma faute. Du coup, bah, autant en profiter quand même pour nous diriger vers le centre de cette zone, enfin de cette caverne surtout, et essayer de voir ce qu'on peut trouver comme... Voilà, merci pour la glisse, ça me fait gagner du temps. Oula, par contre ça risque de me faire du mal, non c'est bon. Ok, donc nous avons... des choses étranges, ésotériques. Alors comme on est déjà allé par là, je vais voir si je peux continuer. Je sais pas ce que j'ai emmené d'ailleurs, moi j'en ai de l'énergie apparemment. Ok, j'ai beaucoup d'énergie sur moi, j'ai apparemment de la résine, donc rien qui me permet de... faire continuer l'exploration normalement. Donc j'y vais parce que voilà, hein, je teste. Je regarde où ça nous emmène. J'aurais bien aimé tomber sur du bleu un petit peu, vous savez, pour récupérer de l'oxygène au fur et à mesure, mais là, apparemment, ça ne va pas être le cas. Ok, on remonte. Oxygène 50%, bah alors Marcus! Alors l'astuce quand vous remontez, hein. Putain, il y en avait justement de l'oxygène, je l'ai pas vu. Hop les. Là ça remonte dur. Hein. Hop, merci. Bon, du coup j'ai masse énergie qui me sert à rien, je pense que c'est parce que j'avais dû faire une vidéo entre temps pour avoir 6 secondes de contenu à mettre. Ça doit être le problème en fait que j'ai actuellement. Ok. Bon, en soi c'est pas excessivement grave, hein. On récupère de l'oxygène très facilement. Puis on va quand même aller se balader une fois qu'on en a. Alors je sais pas si je peux le... Oui, je peux le stack. Parfait. Écoutez, je vais en stack un petit peu. Voilà, j'en ai stacké deux. Ce qui devrait être suffisant pour pouvoir... Ah ouais, il y a un trou là. J'avais pas trop fait gaffe, mais il y a un trou juste ici. Et on a des ennemis juste là. Je ne voudrais pas que ça me pète à la gueule juste là. Voilà, apparemment j'ai eu tout ce que je voulais. Tout ce qui pouvait ressembler à un ennemi. Et nous avons juste à côté, vous voyez ici. Hop, de la latérite qui nous servira donc... à faire du cuivre de mémoire, c'est ça, hein. Je dis ça au pif un petit peu, je l'admets. Il me semble. Il me semble que ça va être du... Pourquoi tu veux pas le creuser? Parce que je suis hors de portée? Parce que je suis hors de portée, ok. Pas de soucis. Et donc ça, bien sûr, ça pourra me servir à l'avenir pour ce qui est, vous savez, d'échange de matériaux. Je vous en ai déjà parlé. Hop. J'en avais une autre ici, voilà. Aluminium, pardon, autant pour moi. Crac, on est bon. Du coup. Alors là-bas, je vois du jaune. Je me trompe pas, hein. De la malachite. Donc là, c'est du cuivre. Oui, ça me semble plus logique en termes de couleur, en plus. Hop. Alors, vous voyez, je consomme, en fait, les différents minerais d'énergie que j'avais chopés, déjà. Pour maximiser un petit peu l'espace de mon... de mon sac. Tout en... Hop. Récupérant un petit peu de tout ça. J'ai vu que j'étais à 50% d'oxygène, ce qui, je l'admets, me pète un peu les couilles. Alors, je voudrais pas faire tomber ça, par contre, s'il te plaît. Trop tard. Apparemment, l'écran veut que ça tombe. Bon, je l'emmène avec moi. C'est pas grave. On va rejoindre l'oxygène, parce que sinon, voilà. Vous voyez, il commence à avoir une consommation qui est un peu réduite. Pas passer loin, hein. En termes de suffocation, parce qu'après je crois normalement qu'il suffoque, hein. Donc bon, on est large encore, hein. Alors vous me direz, j'ai augmenté légèrement le son, vous me direz si c'est mieux, hein, le son du jeu. Hop, on va partir avec ça, c'est pas grave. Quand on reviendra, enfin en tout cas je pense qu'on ne verra pas tout de suite ici. D'abord on ira chercher un peu plus près de nous s'il n'y a pas quelques grottes et quelques débris pour pouvoir récupérer des... d'autres technologies, tout simplement. Ça pourrait être plus pratique. Et puis surtout, essayer de choper un camion.
le véhicule camion, qui lui aussi sera une sacrée avancée pour nous, vu qu'on pourra transporter beaucoup plus de choses avec notre véhicule, qui là, jusqu'ici, est un petit peu rempli à ras-bord, malheureusement. Et l'énergie là, je vais la stocker aussi dans la base, comme ça pourra me redonner un petit peu d'énergie. Je ne sais toujours pas, je ne pense pas que ce soit possible, hein. De toute façon, ça j'y pense depuis déjà un petit peu de temps maintenant. Je ne pense pas qu'il soit possible d'alimenter une base avec, vous savez, les gros panneaux solaires, ce qui est bien dommage, hein. Je reconnais que pour le coup, ça pourrait être intéressant justement d'avoir des emplacements de base, vous voyez ce que je veux dire? De pouvoir favoriser l'emplacement d'une base pour une ressource ou une autre. Sachant qu'en plus, là, l'intérêt premier du jeu, c'est de relier toutes les bases un petit peu pour pouvoir fournir suffisamment d'énergie en faisant un maximum de surface de la planète, en fait, simplement. C'est quoi là-bas? C'est jaune. Je veux pas avoir en plus. Il y a un truc au-dessus, ça qui me choque. Bon, on va peut-être aller voir en voiture. Enfin, en véhicule. Je dis voiture, mais c'est une phrase que je balance en vrai. Là-bas, j'y suis déjà allé. J'y ai déjà été. Juste par là-bas que j'ai pas été, donc ça pourrait être intéressant. Du coup. Bonjour. Composite, composite, ok, pourquoi pas. Ça, c'est l'augmentation qui n'a pas été mise à jour du tout, malheureusement. Ce que je peux faire, par contre, c'est prendre ça, hop, et aller le caler. Voilà, juste ici. Bah, elle est bien là, hop, merci. Hop. Je peux récupérer ça, ça, ça. Allez, vas-y, fonce. Je vais aller caler du cuivre ici. Pour l'instant, j'ai pas encore tout ce qu'il me faut pour faire des, vous savez, des commandes. Oh, mince. Hop, des commandes de nouveaux trucs pour ranger mes affaires, vous savez. Du coup, je suis un peu emmerdé. En termes d'espace, d'ailleurs, je pourrais peut-être aller voir ce qu'il faut exactement pour en avoir plus. Stockage moyen, ouais, il me faudrait. Non, peut-être qu'avant, il faudrait peut-être plutôt le grand stockage. Peut-être que le grand stockage serait plus intéressant. Ouais. Peut-être que le grand stockage serait plus intéressant. Forcément, le soleil se couche. Je vais partir avec, c'est pas grave. On y va. On n'a pas peur. On consomme. Dans le pire des cas. Voilà, regardez, ça c'est génial. Voilà. Alors, je sais que j'en ai lâché un deuxième normalement. Ok, qui est tombé dans le néant, malheureusement. Et voilà, ça va me faire un petit peu d'énergie en plus. Un petit sursaut d'énergie avant d'aller plus loin. Une autre grotte ici, ok. Why not? Ah, voilà. Ça c'est intéressant. Alors j'ai oublié que c'était la caméra qui contrôlait. Bon bah marche arrière, alors vas-y. C'est parti. Hop. C'est la caméra qui contrôle. Faut pas l'oublier ce truc-là. Ok. Coucou! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, il n'y a pas autant de choses que. Enfin, intéressantes que ce que j'aurais aimé. De la résine. Alors, du composite. Oui, forcément, j'ai oublié de virer tout ce que j'avais dans mon sac à dos. Encore! Du coup, qu'est-ce que j'ai? De la résine, non, j'ai déjà de la résine, donc je vais laisser la résine, d'ailleurs je vais même la reposer. Si je peux. Merci. Voilà. Crac. Oui, oxygène 50, t'inquiète pas, je retourne à mon camion, hein, qui produit de l'oxygène, attention. Pensez-y aussi, ça peut être extrêmement pratique pour ceux qui ne le savent pas. On va profiter, tant pis, hein. En plus j'ai de l'hydrazine à la mort moelle-neu, qui ne me sert strictement à rien. Oups, pardon. Pour moi, échappe, ça veut dire sortir du menu. Hein. Je suis comme ça, hein. Ça marche pas autrement dans ma tête. Là-bas, on avait donc, ok, un petit peu d'énergie. Aïe. Qui aurait peut-être été une bonne idée d'aller prendre.
Et là-bas, ce n'était pas du tout ce que je croyais. Ok. Donc là, on a un bâtiment. Là, on a de l'oxygène. Enfin, un bâtiment. Un caillou. Un pauvre caillou. Là, on a de l'oxygène. Vous voyez, donc, l'énergie, une fois que vous la mettez, pas de problème au niveau de la machine. Hein. Là, regardez, je vais aller retourner en reprendre. Voilà, ça m'en fait deux, pas besoin de plus. Un. Deux. Crac. Et on est bon. Sans le moindre souci. Hein. Là, on est bon pour aller très très loin. Hein. On a du composite ici. Alors, c'est pas vraiment ce que je recherche. Pour l'instant, je recherche plus les... Alors, voilà, faut pas que je perde de vue aussi ceci. Puisque normalement, regardez, ici. Modulé 3, oui, si tu le dis. Lampe de travail, rallonge, solaire. J'ai pas le. La... Ah voilà. La balise. La balise, en fait, qui va nous servir simplement à. Disons. Programmer. Notre. Voilà. Je peux pas la renommer. Normalement, je peux la renommer. Autant pour moi. Hein. Si je ne peux pas, je ne peux pas. Ce n'est pas grave. Vous voyez, en fait, elle va pouvoir me dire ouais, par où est-ce qu'il faut que j'aille pour retrouver la maison si je m'écarte trop du chemin en véhicule. Vous voyez, au bout d'un moment, je vais perdre de vue la maison, vous voyez, qui va disparaître et elle reste un peu plus haut, un peu plus éloignée pour justement me prévenir de quelle direction, dans quelle direction je dois rejoindre, dans quelle direction je dois aller, pardon, pour rejoindre la maison. Je vais y arriver, tout simplement. Par contre, il y a masse cailloux dans le coin. Par contre, je crois que la portée d'une. Non, ça va. Ah bien sûr, si je passe par-delà les montagnes, ça va pas être une bonne idée vu que je vais la perdre. Vous voyez, là je la vois plus alors qu'elle est présente. En plus, il y a les nuages qui cachent par moment. Il y a tout un bordel, hein. C'est... Tiens, regardez. Je reçois des mails en plus, génial. Ah, de la résine. Et pendant ce temps-là, j'ai toujours pas de problème d'énergie. Hein. Aucun problème d'énergie. Vous voyez, je peux même la pomper du véhicule. Hop, on a quoi? Composite supplémentaire, je prends. Titane, je prends. Lithium, je prends. Ah, il y en avait partout. Alors là, ça m'emmerde de savoir ça, parce que du coup, là, je comprends que j'en ai oublié. Donc, je prends un petit peu un de chaque, hein, pour le moment. Là, je comprends du coup que j'en ai oublié sur l'autre, ce qui, je l'admets, m'emmerde assez. Mais le jour se lève... Et j'ai de quoi faire une autre balise. Donc je pars. Je continue. Blah. Hop. Donc les mises à jour apparemment vont pas tarder à arriver. Les grosses grosses mises à jour devraient pas tarder à arriver. Vu que là ils sont en train de prévenir un petit peu partout. Si vous voulez voir l'avancement du jeu. Allez à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Donc là nous sommes en update 200.1. Enfin 200.1 pardon. Ah bah voilà, regardez. Je crois que c'est ce que je cherchais justement. Ce que je voulais vous expliquer. Est-ce que oui ou est-ce que non? Apparemment non, celle-là n'en est pas une. Mince, pas de chance. Ouais, pas de chance. Bon, on va quand même la creuser à fond. Ça dit, elle est plus balèze que ce que je pensais. Hein. Tu peux me recharger, s'il te plaît, en énergie? Merci. Et en oxygène au passage, oui, bien sûr. Si c'est pas trop te demander. Vous voyez là, je pompe l'énergie du véhicule qui normalement devrait me donner celle solaire avant d'entamer. Voilà, donc je l'ai bien sorti pourtant. Et il n'y avait rien autour d'intéressant. Tant pis pour nous. Tant pis pour nous. Alors, est-ce qu'on voit la balise? Elle est là-bas. Elle est là-bas. Je vais en poser une nouvelle. Hop. Parce que vous voyez qu'à travers les nuages, on a du mal à la voir. Hop. On va attendre que ça passe pour voir à peu près où est-ce qu'elle est. Bon, elle est encore un petit peu basse. Je dois reconnaître que là, pour le coup, peut-être encore un petit peu de marge, quelques centaines de mètres, quitte à redescendre. Hein. De toute façon, c'est pas grave. Hop là. Vous voyez, là, je suis descendu un petit peu. Je préfère
Ouais, vous voyez, elle est limite là. Je préfère jouer la sécurité. Je vais la laisser en bleu. Ne vous inquiétez pas, hein, je la laisse en bleu. Comme ça m'indique bien que c'est la maison. Et rien d'autre. C'est le chemin de la maison. Ça me dirait, oui, tu devrais la mettre en noir parce que le bleu ça représente aussi l'oxygène. Oui et non. Qu'est-ce que j'entends par là? Bah, l'oxygène, j'ai pas besoin de le chercher en fait. Pas tellement je suis parti en véhicule, j'ai pas besoin de le chercher. J'aimerais. Ça me fout le doute. J'aimerais m'assurer qu'il n'y ait rien en dessous de ces trucs-là. Par contre, apparemment, elle a l'air de flotter littéralement en plein vol. Hein. Enfin, en plein air. Non, plus maintenant. Bon, bah tant pis. Là-bas, il y a un... Il y a un truc rouge. Vous le voyez comme moi, ou... Ah, c'est un... Oh, d'accord, ok. Alors là, attention, vous voyez, je suis plus sur l'énergie du... que j'avais transporté. On a un petit peu à gauche, mais là, je suis plus dessus. Et la nuit tombe. Donc là, c'est un petit peu la catastrophe. Mmh. Mmh. Bon. Comme j'ai dit, c'est un petit peu la catastrophe, du coup on peut faire demi-tour. Et avant de faire demi-tour... Bah alors, t'es censé pouvoir te mettre dessus? Non? Ah bon. C'est vrai qu'il a pas les spots. Intéressant. C'est comme si je l'avais pas encore sorti. Ah. Je peux pas le transporter du tout? What? Bon. Ça m'emmerde. Demi-tour. On n'a pas trouvé vraiment ce que je voulais. Je suis assez déçu. Bon, c'était intéressant de se balader, hein, mais là, pour le coup, on n'a pas trouvé de recherche. Et apparemment, donc j'ai vraiment pas ce qu'il faut pour déplacer les objets encore. Hein. Je pense qu'il faudra vraiment que je tombe sur... vous savez, le gros... Oui, donc là on peut voir à peu près où est la maison au fur et à mesure. Donc ça c'est cool. Le gros système de stockage. Et peut-être même le gros camion qui va avec pour pouvoir le poser correctement dessus, je pense. Je pense que ça va faire d'une pierre deux coups si je fais ça comme ça. Hein. Enfin bon. Ce qu'on pourrait peut-être faire par contre, c'est essayer de s'arrêter pour choper de l'énergie quelque part. Puisqu'on va tomber en panne incessamment sous peu. Alors ça c'est la chose à pas faire. Apparemment, l'énergie, bah, on va pas la trouver comme ça. Peu de pile. Alors des fois, à l'entrée... Oh non! Pas maintenant! Merde, crudé! Merde, crudé! Ah, je commence à être en plein dedans. Voilà, c'était histoire d'avoir l'oxygène. Hop! Hop! Ah, attends, ellipse. Bah! Bonjour! Re! C'est fini? Apparemment. Ok. Voiture. 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 Ah blah. Non! Non! Oh putain. Bah. Voilà. Le vrai moyen de sortir de n'importe quelle grotte. Et surtout ne pas oublier derrière, parce que c'est la connerie à pas faire. De reboucher, parce que sinon avec voiture, vous tombez dans le trou. Enfin, avec votre véhicule, vous tombez dans le trou. Et vous avez l'air d'un con. Et j'ai toujours pas d'énergie. Pas.
Soleil, jonquille et mimosa. Que ce gros vilain rat en rose soit coloré de la tête aux pieds. Non, non, toujours pas. Merde. Alors je le mets dans le bon sens pour espérer choper plus tôt le soleil. Ce qui va pas forcément fonctionner. Plutôt prier sur de l'énergie collée à un mur, mais apparemment je peux me la torcher. Bon, ça devrait pas tarder à se lever normalement, hein, donc. Non? Putain. Pourquoi je peux pas? Je suis un fou. Ah putain. Il y en a au fond là. Ouais, enfin bon. Temps d'aller le chercher, j'aurai plus d'oxygène. L'énergie me manquera si je tombe. Je suis coincé en bas parce que j'aurais plus assez d'énergie pour remonter. Merde. Merde. C'est bon. Ça y est. Soleil. Active-toi, il y a de la lumière là. Oh. Bouge. Oh putain. Tu vois pas le soleil là? Bah moi non plus, mais enfin je veux dire, il y a de la, quand même une luminosité quand même qui est assez intéressante, assez importante. Tu... Ça y est. Est-ce que je consomme plus vite? Oh putain, je l'ai perdu. Et merde. Allez, recharge. Bah... Je suis obligé de drifter pour le faire passer. Bon, ça, ça peut être intéressant. Non, ce que je peux faire par contre, c'est essayer de le... Merde, c'est pas dans le bon sens. Oh non, tout de suite. Tiens, vas-y. Direction le soleil. Bah apparemment il fonctionne, bon bah. On va faire avec, c'est pas grave. Ok, là il y avait rien. Putain, si tu me dis qu'il y avait rien dans la totalité du truc. Ah, ouf. La musique est très particulière. Hop, la musique est très, très, très particulière. Ok. On a un peu plus de lithium, ça c'est cool. C'est The Mega... Pardon, j'ai cru voir un truc orange aussi. Qu'est-ce que c'est? Et finalement non, ce n'était rien. Je vais quand même aller voir. Je sais pas, avant on trouvait des technologies de ce genre de choses. C'est bizarre que je les trouve plus, je trouve. J'aime pas ça. De ne pas les retrouver. Bon, direction, la maison. Le trou. Par contre, si tu vas en marche arrière, ça va pas le faire. Putain. Ok, on est bon, on est parti. On est dans la bonne direction. On a du soleil. Faut surtout pas qu'on perde le machin à l'avant. Ça, c'est un truc à... être emmerdé plus tard. Ok. Direction la maison. Bon. Ça aura pas été simple. Je vérifie juste qu'il est là. Constamment. Crac, c'est bon. Ouh. Eh ben dis donc, ça aura pas été simple. Du coup, zéro recherche, zéro truc. C'est chiant. Oui, vas-y, place n'importe où, c'est pas grave. Crac. Boum. Le titane, tu as bien me le caler quelque part.
Crac, crac, crac. Tiens, regardez. Il était tombé. Petit enfoiré, il était tombé. Ok. Bon, j'ai moult choses, hein. J'ai les composants, j'ai de bonnes choses, hein, on peut le dire. Hein. Mais j'ai pas ce qui m'intéresse, c'est-à-dire de la recherche. C'est vraiment ça qui me bloque à l'heure actuelle, c'est le système de recherche. Du coup, bon, on aura fait un petit peu de véhicules, on a fait un petit peu de recherche, on a fait un petit peu de... d'exploration. Je pense qu'on va maintenant partir de l'autre côté. On va récupérer un petit peu tout ce que je peux en termes de composite autour d'ici. Et moi je vais vous retrouver ensuite pour tout ce qui est recherche, objet de recherche. Voilà. A plus les gens.